Classiquement défini comme une volonté libre, éclairée et univoque, le consentement est une notion complexe qui trouve à s'appliquer dans de nombreuses situations. Ainsi, la question du consentement sexuel, source de discussions et d'interrogations depuis de nombreuses années, continue d'être sans cesse débattue. Son absence de définition légale et la difficulté de sa preuve amènent à réfléchir sur cette notion. En effet, en principe, c'est à celui qui prétend ne pas avoir consenti à qui il incombe de le prouver. Or, rapporter une telle preuve dans un moment d'intimité n'est pas chose aisée. Dès lors, et ce notamment en l'absence de définition légale, la tâche se trouve être d'autant plus compliquée lorsque l'on se trouve dans une situation dans laquelle le consentement peut être vicié et même biaisé par des pressions extérieures. Peuvent notamment être visées ici l'hypothèse du consentement sexuel dans l'inceste ou celle du consentement sexuel dans le couple. En effet, la structure conjugale peut s'apparenter en une forme de pression implicite puisque, dans l'inconscient collectif, la notion de couple renvoie à l'idée selon laquelle les partenaires ont l'obligation d'entretenir des relations sexuelles entre eux. Si en premier lieu, cette idée découle du devoir conjugal institué par le mariage, elle se retrouve également dans les autres formes de conjugalité. Ainsi, une telle pression peut potentiellement empêcher les partenaires de consentir de manière libre et éclairée à l'acte sexuel. De la même manière, une telle pression se retrouve en matière d'inceste, puisque dans ce cas-là, le consentement est considéré comme biaisé par nature du fait du rapport familial en présence. La question du viol entre époux, déjà ce qu'il faut souligner, c'est que ça a une place singulière au sein de la législation. Le viol entre époux, en fait, c'est une notion assez récente, puisque avant l'arrêt du 5 septembre 1990, on présumait en fait qu'un couple, lorsqu'il se mariait, lorsqu'il vivait ensemble, on présumait en fait le consentement. C'est-à-dire qu'on avait vocation à considérer qu'à partir du moment où vous viviez avec quelqu'un, les éléments caractéristiques du viol étaient plus compliqués, plus difficiles à apporter, puisqu'il y avait ce qu'on appelle le devoir conjugal. C'est par un arrêt de la Cour de cassation assez récent, qui est l'arrêt du 5 septembre 1990, qui est venu apporter la première pierre à l'édifice pour commencer à caractériser ce qu'on appelait le viol entre époux. Il a fait une distinction en rappelant effectivement que les éléments constitutifs du viol pouvaient également être caractérisés par don lorsque vous étiez en couple. Sauf que la législation a d'abord tâtonné pour une raison très simple, c'est que l'arrêt de la Cour de cassation a trouvé une consécration législative, mais qui en fait a compliqué la législation. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait une présomption de consentement et qu'en fait il fallait apporter la preuve contraire. Donc en fait on a complexifié le dispositif. Heureusement, cette loi donc, du 4 avril 2006 a été ensuite abrogée par une loi de 2010, mais ça ne change rien aujourd'hui à la difficulté probatoire. La principale difficulté probatoire dans les affaires de viol entre époux, c'est que le droit pénal, comme vous le savez, il n'a pas vocation à s'arrêter aux portes du domicile. Néanmoins, s'agissant de relations entre époux, on peut avoir des difficultés puisqu'en fait on va se heurter à une principale difficulté lorsqu'on a des dossiers comme cela, c'est la question de la parole contre la parole. Est-ce qu'on fait primer la parole de la personne qui se défend ou est-ce qu'on fait primer la parole de la personne qui accuse? C'est une question difficile et c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question nous au parquet de savoir est-ce qu'il fallait éventuellement faire évoluer la législation en la matière, est-ce qu'il fallait lui donner une place singulière, est-ce qu'il fallait trouver d'autres éléments caractéristiques. Je crois que moi personnellement qu'il ne faut pas changer la législation telle qu'elle est aujourd'hui parce que si vous changez la législation, si vous rajoutez des éléments, probablement que vous allez arriver à une complexification du dispositif et à rajouter de la difficulté dans le recueil de la preuve aujourd'hui. Ce qu'il faut en fait aujourd'hui, c'est alors partir du postulat effectivement, mais comme tous les parquetiers le savent, qu'une affaire de viol entre époux est forcément plus difficile à caractériser parce que ça se passe dans le domicile conjugal, parce qu'il n'y a pas de témoin forcément, parce qu'il s'agit de relations intimes, et ensuite il y a de porter une attention plus particulière.
Les attentions plus particulières, ça peut être dans les éléments d'environnement, ça peut être recherché dans les antécédents, est-ce qu'il y a déjà eu des signalements de faits de violence, est-ce qu'il y a déjà eu des témoignages, est-ce que la victime s'est déjà confiée à quelqu'un dans son entourage sur le fait qu'elle était violentée, sur le fait que parfois elle disait non à son mari, à son compagnon et que malheureusement elle était quand même contrainte d'avoir des relations sexuelles. Ça peut évidemment passer par des constatations médicales, il va de soi que les constatations médicales sont importantes, notamment les premières constatations qu'on fait aux instituts médico-légaux lorsque la personne vient déposer plainte. Ensuite, ça peut également être le recueil parfois de la parole des enfants, lorsqu'ils sont en âge de témoigner, lorsqu'ils sont en âge de vouloir, de pouvoir être entendus par l'institution judiciaire, par la police. Est-ce qu'ils entendent par exemple des disputes récurrentes? Est-ce qu'ils ont constaté un changement de comportement dans l'attitude de ses parents? Est-ce que le mari a déjà eu des gestes violents devant les enfants? Ensuite, il y a aussi tout l'environnement judiciaire qui est passé, ou en tout cas qui doit être passé au crible. Ça reste une infraction difficile à caractériser, mais elle est poursuivie lorsque les faits sont établis et elle doit l'être. Donc déjà sur les mécanismes juridiques, on peut quand même se satisfaire aujourd'hui de l'article 222-22 du Code pénal qui dit que les éléments constitutifs du viol s'appliquent également sur la personne d'autrui et également au sein du couple. Ça déjà c'est quand même une avancée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction qui est faite. Je pense que si on rajoute des éléments, je pense qu'on peut complexifier le dispositif. À mon avis, le fait de se dire aujourd'hui on peut être victime de viol sur la personne d'autrui ou de la part de son concubin ou de son conjoint, je pense qu'il faut garder ce dispositif-là. Par contre, après, il faut mettre le paquet, vraiment, il faut mettre le paquet sur les éléments caractéristiques. Il faut partir du postulat que, au sein du couple, d'une part, le droit pénal, voilà, s'arrête pas aux portes du domicile, mais comme par nature, bah, vous n'avez pas de témoin dans votre chambre conjugale, vous n'avez pas de dispositif de caméra-surveillance, de vidéosurveillance, comme on peut avoir à l'extérieur, vous n'avez pas de dispositif qui permette d'établir les faits, comme par exemple, je sais pas, une agression qui serait commise dans la rue, dans le métro. Là, à ce moment-là, il faut partir de ce postulat-là et il faut se fermer aucune porte. Donc je ne dirais pas que c'est des mécanismes juridiques, moi je dirais que c'est des mécanismes probatoires. C'est-à-dire qu'il faut fermer toutes les portes, en fait. Il faut regarder s'il y a eu des échanges de téléphonie entre l'auteur et la victime. Vous savez, je vous donne un exemple très simple, une fois j'avais eu une affaire de viol conjugal à traiter lorsque j'étais au parquet de Bobigny. C'était parole contre parole. Il n'y avait pas de constatation médico-légale qui avait été faite, il n'y avait pas de traces de violence. Les enfants étaient trop petits pour venir témoigner. Le mari contestait les faits et lui disait qu'il n'avait pas du tout, il reconnaissait la relation sexuelle, mais il expliquait qu'en fait elle était consentante. Et en fait, il y a un événement, un élément, ça peut paraître idiot comme ça, mais auquel on n'a pas pensé, mais elle nous a, elle, fait état un jour, dans une troisième ou quatrième audition, des échanges de messages qu'elle avait avec son mari. Et en fait, quand on a repris la téléphonie, on s'est rendu compte en fait que dans les messages qu'elle avait envoyés à son compagnon et dans les messages qu'il avait répondu, en fait, il reconnaissait en fait l'avoir forcé. C'était écrit noir sur blanc. Donc en fait, il faut avancer et fermer toutes les portes. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure du viol entre époux, dont vous avez suffisamment d'éléments, ou en tout cas vous estimez que vous avez suffisamment d'éléments de preuve pour renvoyer devant la juridiction de jugement. Juridiction de jugement, donc, qui est, comme c'est un crime, qui est la cour d'assises. Parfois, les victimes, y compris en concertation avec l'avocat de la victime, puisque de toute façon, ça ne peut se faire qu'avec son accord, la victime, parfois, nous dit, écoutez, je ne pense pas qu'elle soit prête ou qu'elle soit armée ou suffisamment forte pour affronter l'épreuve des assises, j'opterai pour une correctionnalisation. À ce moment-là, on peut partir sur une correctionnalisation, même si on a des éléments qui, nous laissent penser qu'il y a des éléments de pénétration par contrainte, violence, menace, surprise. En tout cas, il y a un acte de pénétration. Ça se fait en concertation avec la victime. Donc lorsqu'on pense que l'épreuve des assises va être trop compliquée. Ensuite, il y a un deuxième cas de figure qui est ce qu'on appelle la correctionnalisation en droit. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'éléments qui sont reprochés à un auteur. Ils sont mariés ou ils ont une relation de concubinage. Et en fait, dans cette relation-là, vous avez pu prouver des éléments d'agression sexuelle où ils sont reconnus. Et ça, à ce moment-là, c'est acté, c'est un fait. Par contre, l'acte de pénétration sexuelle n'a pas pu être établi. Vous n'avez pas suffisamment d'éléments de preuve pour le renvoyer. À ce moment-là, ça s'appelle, c'est même pas une correctionnalisation, en fait, si, c'est une correctionnalisation en droit, mais en fait, vous n'appliquez ni plus ni moins que les règles juridiques, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus renvoyer devant une cour d'assises pour des délits. Donc à ce moment-là, vous renvoyez le tout devant le tribunal correctionnel. Si la question du consentement à l'inceste fait polémique depuis un certain nombre d'années, elle a été récemment relancée lors des débats relatifs à la proposition de loi impulsée par la sénatrice Annick Billon. Dernièrement votée et adoptée au Parlement, entrée en vigueur le 22 avril 2021, le législateur pose un seuil de consentement à l'âge de 15 ans dans des actes sexuels avec un adulte et à 18 ans dans des situations d'inceste.
Dès lors, avec cette actualité législative au cœur des débats, nul ne saurait douter de cette volonté commune de préserver les mineurs de toute atteinte. En somme, l'importance du consentement à l'acte sexuel est primordiale, et encore plus aujourd'hui. Ce dernier mériterait alors d'être mieux défini dans son ensemble, afin d'offrir une véritable et meilleure protection, plus efficace, aux victimes. Peut-être d'emblée, mais vous le savez, faudrait-il prédire que le terme de consentement dans les relations sexuelles, c'est un terme dont la portée et même la conception a beaucoup évolué au cours des siècles en France. Les travaux d'Irène Théry sur ce sujet sont extrêmement nombreux. Elle démontre les trois grandes étapes d'évolution de la notion de consentement. Et elle précise bien d'ailleurs que le consentement, il y a à la fois une appréhension juridique de cette notion, mais aussi quelque chose qui lui échappe complètement parce que c'est fondé sur la notion de désir. Aujourd'hui, et toujours si je me fonde sur Irène Théry, elle évoque finalement l'idée d'une sexualité qui a été au départ socialisée de manière statutaire par le mariage, et au fond le permis ou l'interdit était régulé par la notion de mariage, alors qu'aujourd'hui elle évoque une socialisation procédurale de la sexualité, considérant que la frontière entre le permis et l'interdit, ça n'est plus le mariage, mais c'est le consentement. Et c'est bien cette notion de consentement qui finalement est au cœur de tous les débats qui ont eu lieu au Parlement, à la fois là récemment, avec la loi du 21 avril 21, mais aussi antérieurement, qu'il s'agisse de la loi de 2018, à laquelle j'étais partie prenante avec Marlène Schiappa, ou bien des lois antérieures. Je ne suis pas sûre qu'il faille prohiber toute forme de relation sexuelle entre les membres d'une même famille. Je mets deux explications à cela. D'abord, il faut absolument prohiber toute relation sexuelle incestueuse entre un majeur et un mineur d'une même famille. Au fond, cet interdit, qui est presque aujourd'hui un interdit sacré, il ne fait, dans notre civilisation actuelle, l'objet d'aucune discussion. L'interdit est absolu. Donc cela, c'est déjà un point. La deuxième chose, c'est que quand vous dites entre les membres d'une même famille, c'est un bémol là que je mets à votre proposition et je m'inscris dans les pas du Conseil constitutionnel puisque dans une QPC de 2011, le Conseil constitutionnel a censuré une partie d'une loi de 2010 qui parlait précisément des membres d'une même famille, en considérant que pour qualifier une infraction pénale, il fallait être beaucoup plus précis quant aux auteurs qui étaient concernés. Et le Conseil constitutionnel fait tout un développement en faisant valoir que la notion de famille est trop imprécise et qu'il faudrait là-dessus être plus clair et plus précis. Ce que fera d'ailleurs ensuite, ce que feront les lois suivantes et donc les lois de 2021 notamment. Donc si vous voulez, telle que formulée la première question, j'alerte sur la notion de consentement, notion très complexe, et je pense qu'un interdit absolu de toute relation sexuelle entre les membres d'une même famille, c'est trop vague. Mineur majeur, absolument, oui, l'interdit est total. Pour le reste, il faut sans doute être plus précis. Est-ce que le consentement dans une relation incestueuse, c'est un terme paradoxal? On a envie de répondre oui. On a envie de répondre oui dans une même famille. Quand vous êtes dans le cadre d'un majeur et d'un mineur, le consentement, c'est évidemment tout à fait paradoxal, d'autant que la notion d'emprise, sur laquelle aujourd'hui on travaille beaucoup, elle est flagrante, j'allais dire, dans une famille, avec évidemment le majeur qui a une autorité de droit ou de fait. Cela crée, cela accentue l'emprise que l'on peut avoir. L'emprise, ce n'est pas seulement dans un milieu familial, mais en l'occurrence, c'est accentué. Donc évidemment, on est tenté de répondre oui, mais ce paradoxe que vous relevez, de mon point de vue, il est surtout vrai dans la relation incestueuse majeure-mineure.
surtout vrai, je n'ai pas dit exclusivement, mais il est surtout vrai dans la relation majeur-mineur. Alors, c'est ce que le législateur a tenté d'appréhender de façon successive. J'ai moi-même, je vous le disais, participé à l'élaboration de la loi du 3 août 2018 qui avait fait de l'inceste, et cela a été critiqué, une circonstance aggravante, une surqualification pénale par rapport aux infractions ou aux crimes de viol ou d'agression sexuelle. Nous avions choisi la voie de la surqualification. La loi du 21 avril 21 franchit un pas supplémentaire en créant une autonomie de cette situation avec deux infractions nouvelles, puisqu'elle va créer le crime de viol incestueux sur mineur, donc de moins de 18 ans, qui est puni de 20 ans, et le délit d'agression sexuelle, qui lui est puni de 10 ans. Cette loi, finalement, facilite en quelque sorte le travail des magistrats, puisque les magistrats n'auront plus à s'interroger sur l'existence d'une violence, menace, contrainte, surprise, ce qui était la situation antérieure. Et donc, ce faisant, ils n'ont plus à s'interroger dans une situation d'inceste sur un éventuel consentement qui, dans une relation majeure-mineure, est soit absent, le consentement, soit altéré par le fait de l'emprise dont on parlait tout à l'heure. Et donc, je pense qu'il y a effectivement un paradoxe à l'utilisation du terme consentement, surtout quand c'est une relation majeure-mineure dans une même famille. Si on allait dans ce sens, c'est-à-dire au fond créer un crime ou une infraction entre deux majeurs, au fond ce n'est plus la protection de la victime qu'on assurerait, mais une sorte d'ordre moral ou d'ordre social que l'on viserait à garantir. Un bémol toutefois, entre deux majeurs d'une même famille, s'il y a agression ou viol avec surprise, violence, contrainte, etc., alors là, oui, il y a une qualification comme viol, évidemment. De la même manière, entre deux membres majeurs d'une même famille, si les actes sexuels ont commencé alors que l'un d'entre eux était mineur, alors la nouvelle qualification pénale pourra s'appliquer. Mais je le dis là, ici, entre deux majeurs, il n'a jamais été envisagé en France de créer ce crime, cette infraction pénale. C'est la raison pour laquelle, moi, je ne pense pas qu'au-delà de ce que vient de faire la loi du 21 avril concernant les majeurs et les mineurs, qui a donc, je crois, en autonomisant ces deux infractions d'agression et de viol incestueux, accomplit un pas en avant très important, qui répond d'ailleurs à ce que voulait un grand nombre d'associations de défense des victimes, et notamment de protection des enfants. Évidemment, entre majeurs, cela ne me semble pas souhaitable. Donc on est passé d'un interdit qui était fondé sur les bonnes mœurs à aujourd'hui un interdit qui est fondé sur la protection de la dignité humaine. Et donc, évidemment, dans ce cadre-là, le consentement joue un rôle majeur. Cela forme un arsenal assez solide et qu'il n'est pas utile d'aller au-delà avec la proposition que vous faisiez si elle concernait les majeurs. La loi de 2018 n'a pas pu vivre, donc on ne peut pas voir vraiment le bilan que l'on pouvait en découler. Donc voilà, il faut reconnaître que c'est sûrement pour nos concitoyens une avancée réelle. Est-ce que c'est constitutionnel ? C'est une autre question. Moi, ce que je voulais en 2018, c'était mettre une condition d'âge, non pas à 15 ans, mais à 13 ans. Et on m'a dit, ça n'est pas possible. Et le Conseil d'État dit, effectivement, une condition d'âge, un seuil d'âge, fait peser une présomption de culpabilité sur l'auteur. Or, une présomption de culpabilité, le Conseil constitutionnel ne l'admet que extrêmement rarement. Mais il est certain qu'instaurer un seuil d'âge, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, y compris pour nos concitoyens. Donc voilà, alors est-ce que ce serait constitutionnel si un jour il y avait une QPC ? Je ne sais pas. On me dit que le fait d'avoir installé la clause Roméo et Juliette, c'est-à-dire d'avoir mis le postulat
qu'un écart d'âge de 5 ans n'était pas pénalisable, enlevait le côté présomption de culpabilité sèche. Bon, à voir.